Bonjour à tous, bienvenue dans notre journal. Pourquoi Che Guevara interpelle MC One? Le jeune rappeur ivoirien MC One est depuis le début de sa carrière musicale sous la poêle de l'artiste coupé décalé Che Guevara. C'est la structure de production du fils de la chanteuse Antoinette Alané, Zut Avril Productions, qui est le producteur de tous les albums de MC One. Depuis quelques années, le rappeur ivoirien a mis fin à son contrat avec son mentor. Il est depuis avec le label Sony France qui a la lourde responsabilité de produire ses futurs albums. Malheureusement, depuis 3 ans, MC One est sous contrat avec l'une des plus grandes maisons de production dans le monde et Che Guevara ne voit rien de positif se profiler à l'horizon. Face à cette situation difficile que rencontre son ancien poulain, le chanteur coupé décalé lui a fait une proposition à travers une publication lundi 5 juin, soit sur sa page Facebook. Il dit, et je cite, « Bonsoir fils MC One, depuis 3 ans, on ne voit rien dans l'album avec Sony France. Si tu tapes poteau là-bas, reviens chez 18 avril production Abidjan, le travail va continuer. C'est la famille freelance. » L'histoire de la fin de collaboration entre MC One et 18 avril production est intervenue depuis 2 ans. La famille reste la famille. Aujourd'hui, je suis fier de ce qu'il est devenu pour ne pas qu'on me dise que Guevara mon vieux. Tu m'as pris depuis le berceau, mais où je suis arrivé là, je suis à un certain niveau, tu ne peux pas m'envoyer là-bas. Moi-même, doucement, je lui ai donné sa liberté. Petit va. Avant que tu ne décides de changer de staff, nous-mêmes, on te donne ta liberté. A déclaré Che Guevara. Espérons donc que ce message soit entendu par MC One et qu'il revienne réellement à la maison, la famille freelance.